C'est Clems. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Pokémon version Emerald. Donc, on entame le sixième épisode. Alors, la dernière fois, on avait fait l'arène de type combat de Merouville, on appelle. Salut, toi, c'est Elliot. Putain, c'est l'autre. Comme d'habitude, je m'adonne. Ok. C'est dommage qu'on ne puisse pas pêcher que dans la mer et la rivière. Oui, dans les lacs aussi, mais j'aimerais pouvoir pêcher partout. Oh, je dois te laisser. Ah, ah, ah. Ça mord sur une autre ligne. Je veux dire, j'ai une prise. Au revoir. Très bien. Bref, donc on avait fait l'arène de type combat qui se situe à Merouville. Je sais plus. Myokara, d'accord, pas du tout. Enfin, si, c'est Myokara, mais c'est pas Merouville. Maintenant, il va falloir aller à Poivre et Sel. Oui, c'est que je me rappelle bien que j'ai battu l'arène. On va aller à Poivre-sel. Je vais mettre crâne d'œuf en premier. Et alors, l'arène de Poivre-sel, je sais pas laquelle c'est. Merde que j'ai fait. L'arène de Poivre-sel, ça doit être l'arène de type électrique, je crois. Non, Poivre-sel. C'est bien ça. On lève l'ancre, picot, on embarque, mon chou. Poivre sel, attends. L'électrique, c'est à Kanto, ça. Oh, je sais plus. On verra bien. Ohé, nous sommes arrivés à Poivre sel. Vas-tu aller voir le capitaine Poop et lui remettre le pack d'Evon? Oui, bien sûr. Alors, du coup, ça va être des combats doubles. Donc, du coup, c'est bien. Ah. Jeter, ouais. Très bien, allez, on commence par un combat. Goélise. D'accord. Moi, je suis mal. Griffe acier. Ah, c'est super efficace. Je croyais que le type acier le bloquait. Bon. Pourquoi c'est... Putain, bah les coups de boule. Oh, nickel. C'est tout, putain. Bon, les hirondelles. Faudra que hors caméra, que je les XP. Histoire que comme ça au moins... Ça évitera de que ça fasse des épisodes trop chiants. Gros yeux, ouais. Baisse ma défense. Nickel, bon, mais du coup je reviens. Je vais aller à Myokara. Faire soigner les Pokémon. Mais putain, je comprends pas, Nirondelle gagne plus d'XP et Crâne d'œuf en gagne moins, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Myokara, s'il te plaît. Merci. C'est la balade du bateau. Oye, nous sommes arrivés à Myokara. Tu y vas et tu n'auras pas à me prévenir quand tu voudras repartir en mer. Ouais, ok. Oh, je suis bourré ou quoi là? Oh. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Oui, bien sûr. Allez, on retourne à Poivre sel. Ah, bah du coup, ça va être la... Putain. Ça doit sûrement être l'arène de type O. D'accord. Pauvre sel. Ouais, ça va être soit l'arène de type O, soit l'arène de type électrique. Ou alors, je sais pas. On verra bien.
Ohé, nous sommes arrivés à Pauvre Sel. Vas-tu? Oui, allez voir. Sable doux. Ok. Combat double. Soir. Goélise et Maryl. D'accord. Coup de boule sur. Je vais d'abord éliminer Goélise. Oh. Nickel. Oh là, le travail d'équipe. Une charge sur crâne d'œuf. Mais quel malade. Ce Pokémon est cruel. D'accord. Coup de boue, allez, pour te permettre. Voilà, de toute façon, avec une attaque, je le finissais. Ah, niveau 15, Hirondelle. Marin, Edmond et Flotteur. Véro. C'est. Ok, Véro. Ah, oh, ah. C'est bien ce que je pensais, je ne pouvais pas gagner. Comme c'est triste. Ah, il aurait pu avoir un combat triple, hein, quand même. C'est dommage. Zigzaton. Oh, merci. Le griffacier. Oh non, pas Mimic. Je fais baisser ma défense et je prends une attaque. Je vais douiller. Coup de boule. Alors, je suis pas d'accord. Qu'un Zigzaton le surf. Je pensais qu'il y avait que Linéon qui pouvait apprendre surf, mais Zigzaton. D'accord. On se battra encore dès que je n'aurai plus soif, ok. D'accord. Flotteur Rachid. Ah, c'était un garçon, d'accord. J'ai pas vu. Ah, qui c'est qui parle? C'est bien Clément, ici Roxane de Mérouville. J'ai appris de Bastien. Tu progresses très rapidement en tant qu'adresseur. Moi, je ferais mieux d'oublier que tu m'as battu, mais je te promets d'améliorer mon arène pour que tu puisses nous affronter à nouveau. J'espère t'y revoir très bientôt. Clic. Ah, je l'avais pas. Hein. Oh. Yo, dresseur, plus fort que mon papa, tu trouveras pas. Ça n'existe pas. Ah. Ah, voilà. Moi, je ne perds pas mon temps avec des combats qui n'en valent pas la peine. Au moins, les combats endiablés enrichissent les dresseurs et les Pokémon. Ah. Oh putain, avec casse-couille, ce Pokémon. Coup de boule. D'accord, pic-pic. Je préfère qu'il fasse pic-pic que pistolet à eau, quand même. J'ai quadruple résistance, quand même. Pas déconner. Oh, merci pour l'XP. Bon, lui, il va mettre du temps avant d'évoluer. Il a encore 20 niveaux, là, qu'il évolue. Donc, ça va être trop long. Azuril. Ça va que ça Azuril. Peut-être
Putain, je suis plus rapide. Waouh. Oh, la trouille. Hop là, coup critique en plus. Maril, ok. T'es bientôt niveau 16 là. Crâne d'œuf, toujours plus rapide que la lumière. Putain, je comprends pas. Comment ça s'appelle? Coup de boule, ça fait plus mal à un maril qu'à un azuril quand même. C'est quand même incroyable. Hein. 148 XP. Du coup, niveau 16. J'ai perdu, mais je ne vais pas pleurer. D'accord. Si tu cherches un combat en haute mer, je suis ton homme, le meilleur de tous, petit matelot. Ah. Go Elise. Oh putain. Ça va niveau 11. Pas beaucoup. Hop là, rat ultration, nickel. Oh, mais dis donc, puissant crâne d'œuf. Oula, vite, oui, il faut changer avant que la catastrophe arrive. Nickel. Pour l'instant, ça gère. Hein. Putain, mais Nirondelle, il gagne beaucoup d'XP, lui. Oh! Oh, nickel. Oh, ça, c'est bien, ça. Tentacool. Coup de boue. Oui, c'est bien, raté ultrason. On peut finir sur un coup de boule. Oh, nickel! Quel Pokémon, ce crâne d'œuf? Enfin, ce gars liquide, plutôt. Et voilà. Bravo, ça, c'était du combat qui tue des Pokémon. C'est Poké... Hein? Ah, oula, je sais pas lire... Ces combats étaient incroyables. J'en ai eu pour mon argent. Putain, il se remplit les poches, le con. Pour te remercier de m'avoir offert un tel spectacle, je vais t'offrir ça. Une demi-douzaine de bouteilles de soda cola. Putain. C'est bien, ça. Bon, ben, continuez. Hein. Ouais. Un objet de vilain. Tu vois ma bouée tout ronde. Ouais, parce que si elle serait carrée, il y aurait un problème, je pense. Elle flotterait un peu mal. Azuril et Tentacool. Crâne neuf et une hirondelle. Alors, coup de boue sur Tentacool, tandis que Cruel sur Azuril sera une bonne action. Ça, ça se fait pas, ça, par contre. Boum. D'accord. L'attaque la plus effrayante de toutes vient d'être réalisée par Azuril. Rip Azuril. 42 points d'XP, c'est énorme, quand même. Quand on y pense. Pas du tout. Putain, ils savent pas utiliser l'ultrason, ma parole. Wow. Ça l'a recalé. 135, 135. Passé, Yann. Tentacool encore, putain. Voilà. Cruel. Toujours. Constriction, toujours, de Tentacool. Coup de boue.
Putain, il baisse la défense de tout le monde là. Coup de boue. De toute façon, il est plus rapide. Orbouir. Ouais, niveau 16. Putain, le con. Te blesse pas, crâne d'œuf. Non. C'est pas cool. Prends ça. Ah, enfin. Il était long ce combat. Flotteur et Léa. Flotteur Léa et flotteur Jeannot perdu. Oh, c'est trop dommage. Oui. Moi, je suis là tous les jours. Mais putain, il doit se faire chier, le pauvre. Ah, potion. Ah, ça m'arrange, ça, du coup. Attends, je sais pas. Potion. Soda cool. 60 PV. C'est mieux, ça. Voilà. Les hirondelles, ça va, il a assez de vie. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres dresseurs? Ah, il y a un zigzaton chez vous. Par ici, l'eau est propre. Mais j'ai déjà vu mon zigzaton revenir du rivage avec des détritus. L'eau polluée se transforme en pluie et rejoint nos rivières, donc on boit l'eau. Si on pollue la mer, ça finira par, par nous retomber dessus. Mais il est tout vert, zigzaton, là. Oh. La plage vue du ciel ressemble à un grand jardin de fleurs. Ah, ils se sont replacés, putain. Incroyable. Alors. Putain, il y a une lignée, je sais pas qui c'est. Hein. Allez. Bonjour, bienvenue. Oui, bienvenue. Allez. Je vais racheter des potions. Au cas où. Bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Super potion, c'est bien. 5. Voilà. Et ça pareil, 5. Plus en Pokéball. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres Pokémon, je pense, à capturer. Peut-être pas dans cet épisode, en tout cas. Je me demande en quoi veut consister. Ouais. Énervé, notre chef est effrayant, alors je ferais bien pas tout faire à terre. D'accord, donc il y a une lignée. Il faut que j'aille au bureau, je crois. Ici. Sourire. Ah non, c'est le président du fan club. La flemme de lire. Hein. Peut-être qu'il faut continuer en haut, je sais pas. Je vais monter. Le concours Pokémon ici. Ah, c'est la piste cyclable. Ok, donc c'est barré. Donc sûrement que c'est pas ici. C'est sûrement là, musée maritime. Ah non, c'est le port. Putain, je t'ai jamais venu ici. Peut-être aller au musée, ouais. Toi, arrête de pousser. En bas, peut-être. Ah, c'est en bas, musée maritime. Ah non. Non, c'est pas ça, je crois. Je veux monter. Ah si, putain, ça me vient le truc.
Bah non, en fait. Ah, peut-être là. Bon, non, je pense pas. Bon, je vais faire toutes les maisons qu'il y a. Je me suis est pressé, c'est sa nature. Sa vitesse est plus élevée que celle de mes Pokémon. La nature des Pokémon a peut-être un rapport avec leur stat. Exactement. Tu es un dresseur, n'est-ce pas? Tu dois vouloir te rendre à tente de combat de pauvre sel, non? Ah, c'est peut-être là-bas. Non. Je vais y retourner. Tu veux acheter du soda cool? C'est à qui qu'il faut remettre le pack d'Evon? Ah, mais ça me suit Pierre Rochard. Mais il est où Pierre Rochard? Je m'en souviens plus. Tu es Pierre Rochard. Ah. Une maison ici, suspecte. Sourire. Je suis le spécialiste des noms. Ah putain, oui, c'est vrai, c'est lui. Enfin, le spécialiste des noms. Putain, mais c'est où? Peut-être de parler à quelqu'un? Putain. Ah, quoi? Tu veux lire ce panneau? Je vais le lire pour toi. Voyons, je crois que ça dit que la vie dans la mer est éternelle. D'accord, je crois qu'il y avait un truc. Pas du tout. Mais où est-ce qu'il est? Ouais, je vais parler au papy. Putain, mais... Je suis Keblo dans le jeu. C'est pas possible. T'es dedans, c'est pas possible. Putain, mais il est où? Oh là là, c'est là, non? Je suis allé tout à l'heure. Fan club Pokémon pour tous les fans. Ouais. Peut-être passer par là. Désolé, mais vous ne pouvez pas vous dépasser par la piste de... Ouais. Mais j'ai pas de vélo! Ah, attends. Moi, j'en ai pas. Putain, mais. Je viens essayer de trouver un endroit là pour passer, mais c'est le musée maritime. Oula, c'est ça. Ah, ça tente de combat, c'est vrai, je crois. Peut-être le port. Ouais, mais il est où le mec là? J'ai peut-être dû rater un truc. Bon, j'ai une idée. À mon avis, il faut peut-être aller à machin là-bas. Mérouville.
Je pense qu'il faut aller à Mérouville d'abord, parler à quelqu'un. On verra bien. Putain, t'as passé tout un épisode à chercher, à le chercher. Je vais bien aller voir. Donc c'est pas une petite ellipse. Voilà donc creux. Donc en fait j'étais entièrement à côté de la plaque. Donc en fait il fallait que j'aille dans le chantier naval et que j'aille parler au Capitaine Poop. Juste à droite ici. Si ceci va ici. Et si ceci va cela. Archibald, voilà. Pourrais-tu aller trouver le Capitaine Poop et lui remettre? Ok, donc là normalement il me semble que le musée doit être dégagé. Apparemment. Normalement. Voilà, nickel. En fait j'étais complètement à côté de la plaque. Ouais. Il est en haut je crois. Ouais. Oui, si tu cherches Poop, c'est bien moi. Ah, ça doit être ce que j'avais commandé à Monsieur Rochard de Devon. Merci, formidable. Nous allons désormais pouvoir préparer l'expédition. Ah, le dresseur. Pas si vite, on va prendre ses pièces. Qui êtes-vous, jeunes gens? On est la team à quoi? Notre chef veut ses pièces. Ferme-la et balance-les. Carvana, putain. Alors. Frénésie ou. Ah, c'est type normal, donc ça va. Ouh. Peau dure de Carvana. Ah. Niveau 17, nickel. Mur de fer. Bah oui, bien sûr, la passe d'armure. Du coup, je pense qu'on va vite redonner le pack d'Evon à Monsieur Rochard. Ça fera la fin de l'épisode, je pense. Et ça, un coup de boule là, il casse la gueule. Alors, deux, t'es un foiré. Coup de boule. Putain. On pourrait se moquer si tu veux. Hop là, coup de boule. Carvana va être envoyé. Voilà, j'ai envoyé une hirondelle. Cruel. Hop là. Oh, nickel. Il n'y a pas beaucoup de défense, Carvana. Pourquoi il a peau dure? Ah oui, c'est vrai, je suis con. Quoi, moi aussi j'ai perdu. Ouais, t'as perdu. C'est triste, hein. Mais bon, c'est comme ça. Et maintenant, si on ne récupère pas les pièces, on est fait. Ah, j'avais pas prévu d'être gêné par un mouflet qui se mêle de tout. Oh putain.
Nous sommes la team Aqua et nous adorons la mer. Cool. Je suis Arthur, je sais. Bien sûr, tu es nul, Arthur. Tu es nul. Il m'a chié, putain. Il est nul, mais vraiment trop nul. Arthur. Ouais, les deux, de toute façon, sont nuls. En tout cas, que de tension. Merci de nous avoir sauvés. Ah oui, j'avais presque oublié que tu avais apporté les pièces de Devon. Et voilà. Donc, j'ai remis le pack Devon. Zou, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut qu'on prépare cette expédition sous-marine au plus vite. Merci encore, mais il faut que j'y aille maintenant. Mais n'hésite pas à jeter un œil ici, si tu en as envie. Oh, merci. Bon, mais je crois que c'est bon, hein. Tiens, toi, c'est fou. Et qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis le membre de la team Aqua. Ouais. C'était le tunnel Mirazon. Tiens, prends ça et pardonne-moi. Oh, quelle sympathie. Te sera utile. C'est quoi comme une capsule, ça? C'était 46. Larsin, d'accord. Bon. Ben écoutez, ah ben tiens, c'est pas fini. Scott 1, c'est la première fois qu'on se rencontre, non? Je viens de voir la team Aqua partir d'ici en trombe. Laisse-moi deviner, c'est toi qui les a fait fuir? Peut-être. Peut-être que ce dresseur. Très bien, je pense que nous allons devenir amis. Échangeons nos numéros. Ok. J'aimerais bien rester un peu avec toi, mais je veux aussi garder un œil sur les autres gens talentueux. Très bien. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc voilà, donc on a remis le pack Devon, malheureusement, c'était assez long. Je tournais en boucle, je suis parti à Mérouville carrément. Mais bon, voilà, bref. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. De toute façon, vous faites tout ce que vous voulez tant que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!